Bonjour à tous, bienvenue à la 12 TV, votre chaîne d'information. Je vous suis nombreux à fidèles à cette chaîne. Merci parce que vous nous faites confiance et vous savez que nous vous apportons de très bonnes informations, des informations très sûres qui touchent tout le monde. Et comme je l'ai toujours dit dans cette émission, vous avez des questions et les réponses sont dans nos émissions. Dans cette chaîne, vous avez des questions et les réponses, c'est à travers nos émissions, nos différentes émissions, bien sûr. Alors, la 12 TV, vous avez annoncé très récemment une émission que j'appelle Tosolo Lakati. Tosolo Lakati, une émission où nous parlons de tout, où nous parlons des sujets tabous, une émission qui ne concerne que les grandes personnes, c'est-à-dire ceux qui sont majeurs à partir de 18 ans montant. Donc, c'est une émission qui viendra à l'aide aux couples, une émission qui donnera des solutions, des astuces et beaucoup de choses. Vous serez vraiment enrichi à travers tout le sujet que nous allons partager dans cette émission. Alors, comme vous le savez, moi, je ne suis pas spécialiste dans quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je suis spécialiste en journalisme et j'ai fait mes recherches et ainsi de suite. Raison pour laquelle, quand je viens vers vous, je ne vous apporte que ce que j'ai pu avoir comme recherche, comme information. Vous avez remarqué dans notre chaîne, beaucoup m'appellent maintenant Maman Nganga. Non, je ne suis pas Maman Nganga. J'avais juste fait des recherches. J'ai contacté des sexologues. Je vous ai balancé quelques numéros. Nous avons parlé de problèmes concernant les hommes, des problèmes liés à l'éjaculation précoce. J'ai parlé aux femmes et à beaucoup de femmes qui ont des problèmes pour leur poitrine. J'ai pas de cette poitrine, ma belle Ezamiki. Comment je peux faire pour narafamer ma belle Nanga Kouya? J'ai pu donner des réponses par rapport à ma question, ma préoccupation et à tout selon ma recherche au Nga Lamenaki. Il y a des gens qui ont posé tant de questions, mais moi je suis limitée du fait que je ne suis pas spécialiste, du fait que je ne suis pas, ce n'est pas en fait Moussa Lananga. Hein. Moi je fais que de recherches, je m'entretiens avec eux, puis ma conseil, ma pessinga, non mais Melabine. Alors je pensais à vous amener à un spécialiste désormais dans cette émission, à Rosoaton et Rosolanabino. Alors, Ndenye Boebi, la douce Asara Moussa Lananga est toujours très bien. Naruya oko sabino te posa na mon intérêt mo te ponanga naruya juste ko amener marambo est assure na pe sabino information mo très sûr. Voilà pourquoi il y aurait la voilà pourquoi il y aurait la présence du docteur Bombilé dans cette émission. Lui, c'est un spécialiste, il est nutritionniste et sexologue. Donc, je suis dans son cabinet, le cabinet de recherche Santé Plus, il nous donnera les adresses, hein, parce que je ne saurais pas vous donner toutes les adresses. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a été plébiscité par beaucoup d'organes, beaucoup d'institutions, il a beaucoup de mérites, vous verrez même de trophées, puisqu'il a été pris champion d'Afrique en matière, il a eu beaucoup de trophées en Afrique centrale, trophées, même ici en RDC, il a eu des trophées des mérites à travers le travail qu'il fait. C'est un chercheur, il a une recherche à Zosala, à soigner à base des aliments, de fruits, des opés, solution, guérison dans Marambébélé. C'est quelqu'un qui se connaît dans ce qui est relation sexuelle, c'est-à-dire entre dans le couple, puisque déjà, il est un sage, il conseille pour l'équilibre de foyer, donc il est là. En même temps, il est pasteur à Zoraton et au Pays Sabakonsé dans Msalanaé. Et il a eu d'ailleurs de trophées à cause de ses initiatives relatives à la santé et tout le reste. Donc, dans cette émission, bon, j'attends vraiment au Solanais. C'est pas un amateur. Il a écrit beaucoup de livres. Bon, moi, là-bas, les livres qu'il a écrit, Principes pour devenir riche, Les valeurs féminines, Mystère de la maternité, il y a les mystères de la chambre, Le secret de la force du ministère, Les hémorroïdes, naturellement. Il y a beaucoup de livres qu'il a écrit. Alors, vraiment, c'est une source de richesse pour Nabiso, pour Nayo Moutouzo, Landala 12 TV, Yebake Orosipela. Alors, pour lier l'utile à l'agréable, pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais rapidement vous présenter mon invité, le docteur Bombilé. Bonjour docteur. Bonjour maman Gisèle. Merci beaucoup. Ah ouais, il faut baxera toujours la douce. Et c'est vous un docteur Yaweyambayo, n'engo bien mi docteur bi. Et ça rama bi pe ça rama cool ko yambo na émission. Yo menalingi, malgré présentation à la salle ici, il y a quelque chose à rajouter pour bato bazolanda biso ba découvrir. Merci beaucoup, Balandi, à la 12 TV. Ndenga Mama Lobi, Tokozana Bino, Tango Nyonso. Occasion Nyonso, Tozana Bino, parce que ma préoccupation à Bino, Tozana Bassolution Nango. C'est-à-dire vos préoccupations,
et au poussé biso tout ça la makasi pour tout aller. Donc tout ce que nous allons faire ici, c'est à la hauteur de vos besoins. Pour que vous apportez une solution à Bino. Comme on a dit le docteur Désiré Bombilé, Nazali chercheur nutritionniste, Nazali sexologue, Nazali Pé Moussa Nanzambe, Nazali Pé Mokomi, Nengalobi Wana, et puis Kolekanyon Soana, Nazamo Ninga Nabino. Pourquoi la vie bongo? Parce que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous difficulté dit que vous avez dit que vous que pour la biso confidence, bien que vous avez dit que réseaux sociaux, bien que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que confidence, avez dit que vous avez secret, que vous avez dit que vous avez dit que vous avez particularité confidentialité avez beaucoup plus avez dit que vous avez dit que vous avez dit nous, si vous avez encore une préoccupation, n'hésitez pas, nous allons là pour répondre. Voilà, le docteur sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, quitte à vous abonner et puis vous vous appuyez sur la cloche qui est juste au coin. Et dans les commentaires, vous pouvez laisser vos questions et il sera toujours là prêt à répondre à toutes vos préoccupations. Docteur, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont écrit. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pu donner juste une astuce, une recette pour booster. Ça permet à l'homme d'avoir un peu plus d'endurance parce que nous avons remarqué que beaucoup d'hommes ont des problèmes d'éjaculation précoce. Alors, pour les aider à booster cela, pour ne pas que babababi ma faible devant les manos mamans, alors je leur ai donné une recette, comme vous savez, mélange citron, blanc d'œuf, et puis tangawisi et tout. Alors, beaucoup de gens ont voulu comprendre un peu plus. Moi, je ne suis pas docteur. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces problèmes d'éjaculation précoce. Alors, ma première question, c'est de savoir est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'éjaculation précoce? Est-ce que c'est une maladie l'éjaculation précoce ou pas? Merci beaucoup maman. Question Isali Mutuyaminkutunama. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas nous le dit, c'est 90% des hommes qui se plaignent dans ces problèmes d'éjaculation précoce. Alors par définition, quand on parle d'éjaculation précoce, il n'y a pas d'éjaculation salama avant. Mais avant, par rapport à quoi? Parce que c'est là où se trouve le problème. Parce que l'enjeu dans la sexualité, c'est que la femme a au moins une part de 90% et l'homme n'a que 10% dans la jouissance. C'est-à-dire, pour qu'un acte sexuel réussisse totalement, il faut que l'homme qui accompagne la femme dans la sexualité travaille de manière à ce qu'il partage 90% pour le plaisir de la femme, lui n'a que 10%. Il faut qu'il travaille à Mobali et à la Kamarkasi. Pour nous, comme ça, moi, si dans l'orgasme. Tandis que mon bal a comme un orgasme, même si la femme ne participe pas, l'homme peut arriver à l'orgasme. C'est-à-dire, mon bal, il ne faut éjaculer, et s'il est. Mais la femme, ce n'est pas le cas. La femme, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir. Il y a l'étape où il y a le bosso, il faut couper ses désirs, il faut stimuler, et puis il faut commencer l'orgasme. Alors, il n'a pas tenu compte des paramètres de bosso. Il vient, il entre directement. Et tant que tu as un chaleur, il éjacule directement. Alors, tant que j'ai le bongo, la femme est restée en vie. Automatiquement, classé en éjaculation précoce. C'est-à-dire précoce par rapport à la femme n'a pas arrivé, c'est l'homme qui est arrivé avant la femme. Et comme l'homme est arrivé déjà, désir et activité katani, la femme est restée suspendue. Nalikolo, Mobala Kiti et Sili, la femme est restée comme ça. Alors tout celui qui éjacule avant la jouissance de la femme, ils allaient classer automatiquement comme éjaculation précoce. Voilà un peu dans un premier temps, définition de la copie savana. Maintenant, entrons dans les détails, il y a un mot de fonctionnement, vous allez. Parler que c'est une maladie, je dirais oui et non à la fois. Mm-hmm. Oui, et non, pourquoi je dis d'abord non? Parce que pour qu'on puisse établir réellement que c'est une maladie, ils ont un paramètre et bel et faut la réunir pour en redéclarer quelqu'un à Zali déjà à sa maladie éjaculation précoce, pour tout bien éjaculateur précoce. Mais d'une manière générale, il faut d'abord noter que le corps de la femme fonctionne différemment à Mobali. Moi, ça fonctionne na auto bengaka et magie à cycle naïe. La femme fonctionne avec son cycle. Cycle naïe, Zali, entre les deux règles.
tout ça période tu viens après ovulatoire période ovulatoire na post ovulatoire alors tant que comme à aux environs à période ovulatoire température il y a moins si échange à température à moins si comme à moins l'icolo alors température on a bah sexe ming et supporte à kayangote c'est ce qui fait que quand on entre directement on peut éjaculer rapidement pendant que la femme n'est pas encore arrivée parce que température à période douana est allé moins compliqué et tant pis moi ça comment on a zé mi température n'est pas échangé donc chaleur douana beaucoup de hommes ne supportent pas n'est-ce que bah quoi qu'on éjacule précocement mais notons encore une chose qu'il y a aussi un autre problème qui passe aussi par rapport à habitude mon médecin nous tout par rapport à la sexe voilà. Quand vous êtes devant un sexe étranger il est normal c'est-à-dire moi son homme médecin a été ou écouter un baliboso les temps nous autres n'ayons n'ayez médecin et s'adapter au combat d'acoustique précocement zomona au coco tanu qui a bobine parce que c'est un corps étranger au médecin en côté au médecin mon a été température au médecin en côté au coco j'acquille un bar on dengwana ou bien peut-être aux alli na aux créé bah écart ming il y a rapport c'est-à-dire soit éjaculer par exemple vous savez rapport mon col le lopeur ou ça on sous tu prends un peu beaucoup de temps tant qu'on y a au salaire on a le besoin d'un caca et qu'on y a précocement c'est un peu comme ça un peu rythme wana mais soit il va nous qu'on s'est répété plus de 3-6 mois ils ont accandé wana là maintenant tu commences au cancer côté l'aspect yango ya pathologie parce que la même femme wana nous qu'on maintenant est amoulaye ou bien vous avez une moins soin le besoin de ça la bonne côté mais comment nous qu'on remarque quand on wana c'est là peut montrer que il peut te faire un problème il y a et qu'on commence pas naio et il faut noter également que ceux qui préparent tout ça la bien tu as bien préparé la femme et que aux alli présents na quatre activités sexuelles wana aux en contrôle il y a mouvement na yo au quoi peut gérer en gros d'une manière ou d'une autre peut-être on reviendra avec ça un peu plus loin mais du moins na répondre na ngwana et cause à malade comme il a plus de 3 à 6 mois d'une manière répétitif tu bien en maladie mais ceux qui ça occasionnel ou peut-être par rapport na moi c'est sika ou peut-être baika za mulayi ou peut-être tableau na za basique né et ovulatoire za l'icolo c'est normal que cela arrive ainsi d'accord. Alors, docteur Nazan a une question sur Mrambolobi, éjaculation. Il a fait ça, ce que j'ai eu, moi, ton ébélé, il a dit que le bac non, il a pathologie. Alors, il a mis balle, monsieur le docteur, obiminae. Boye bani sika, bo vandi bo zuton, ça fait 2-3 mois, bozana ensemble en couple. Il suffit que à côté, lui ne fait pas, de 5 minutes après, ma mort pape y a jouir. À éjaculer plutôt. Donc, il prend pas assez de temps. On dit à pas bah préliminaire. Préliminaire est cause en gros temps et cocozoa. Mais il suffit qu'il y ait à côté à bandi 5 minutes. Dès au lobby, ben d'engozo, bakana d'engo si déjà sa boîte qui a tiki moi si. Voilà, ton cojugeant on a ka et puis ça répétitif au fait. Ton repas en gros, ton tien on a canini. Il y a pathologie, tout y a d'engin yo qu'expliquer ngai. Deuxième question, Zali, et Zali mi bali moussousou obiminaye. Coup à l'iboso, ezaka rapide, mais pas na deuxième, ndezara très long. Alors, mi bali mingi bazara bon, mba l'iboso, a obeta mbange bimi, mi ami balé, en tout cas, heureuse à binata 30-40 minutes. Wana to kasson na kanin. Merci. Je crois que ça revient de notre koloba, ce que nous venons de dire. Mon souki au koti pour la première fois, et qu'on éjaculé précocement, tant que nous faisons la deuxième fois, moi, mon médecin mort et salami. C'est-à-dire, jusqu'au maîtrise, il y a terrain où on a du cocota. Alors, au moins, il y a prolongation grosse à la moulaye. Et puis, il faut noter aussi que entre des éjaculations, il y a toujours un espacement. Moni, soit il y a une éjaculation sikoyo, et deuxième éjaculation, il y a la moins retard. Troisième éjaculation, il y a la moins retard, il y a un peu de temps. Au fur et à mesure, il y a éjaculé, il y a un espacé, tableau éjaculation. Alors, si vous avez éjaculé, vous allez vous rapprocher, on est au tout le monde. Mon tour, vous allez vous salater, tant que vous avez éjaculé. Mais si vous avez moins régulier l'activité sexuelle, à quoi corriger le problème, parce que à vous s'adapter. Quand tu dis que quelqu'un qui a fait déjà 3 mois, non, mon tour, il y a 3 mois, il est répétitif. Soit à côté de la soit à côté de la bimi, soit à côté de la bimi, il y a une pathologie, ou il y a alors, notons une chose, il y a aussi un problème qui se passe tout le temps en éjaculation prématurée. Parce que il y a éjaculation précoce et prématurée. Prématurée, tout le monde qui est ça, tant que vous avez un caresse, tant que vous avez un mobile, tant que vous avez un sensibilité, tant que vous avez un sensibilité, pouf!
a éjaculé. Il y a quelqu'un qui s'est confié à moi il y a deux jours passés à la télévision. Abinanga, ça l'a étonné. Bah aussi maintenant moi c'est comme maman oboyé. Moi tout à bien ça l'a eu. Ça est ce qui pipe pour à renforcer ça la macasse. Il n'est pas monté la télévision. Mais tant qu'à checker la maman pouf. Abimissima inaï. Alors il y a qui décourage parce que même activité on peut. Et ça m'a soutenu parce que sensibilité était ma casque à peine que je suis cité et celui qui a Ningwana. Alors elle a été tellement inquiété à se sentir ridicule et tout là. Alors voilà un peu ba tableau à Neko Kozanango ou les autres mona et ce qui est dit qu'on s'est répété Ningwana que vous avez dit à Moutou, mais ça n'en a déjà et ça déjà. Total, on est à la table à pathologie. Mm-hmm. Et soit ils allaient que ils allaient ils observent ça rarement. Ou bien à cause du coup balé que ils bossent hier à Nangombango. Il y a mis balé bandit qu'aux autres Nango. Là, ça c'est déjà un autre tableau aussi qui est positif. Où ils ont que non correction d'accord à travailler mutunaie. Tout comme on a Nango tout à l'heure là à travailler mutunaie de manière à ce que à prolonger moi mouké. Où il y a des bossos parce que ils a bloqué sous maman. Il faut tout le bango n'importe quoi. Va vite faire. Hein. Mm-hmm. Va coup direct et puis hein, on va faire une pour la route. Donc ils ont dit que non, tu vas indépendant pour tout ça la boutu mon matin. Et regarde moi circonstance pam tous les cas. Mm-hmm. Parce que soit ils ont la moko na maman ici le monde que bon moninga. Ils a bien été. Il faut bien moi temps. Hein, il y a des bossos faisant moi temps. Mm-hmm. Ceux qui me balaient quoi, qui a moi sous ça ni problème été. Mais il y a des forcés c'est encore moi moko na kaka. Bon continuez là. Peut-être y a mis balé ou ils a moi. Vous êtes en van à Mingue. Alors, docteur, là, tu as le bac à Mibali. Alors, pour la femme, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème pour une femme, ce qui, le long mois, si elle joue vite? Parce qu'aujourd'hui, il y en a moi, ça me suffit car il y a doigté. Le fait de la doigté vite et celle que nous, la femme, joue. Alors, Naka ou Abiso Bassi, tu as le bac à que tu as se retrouver dans le bac à Wana, parce que ça arrive aux femmes aussi, si, selon le tableau, différents tableaux. Moi, si ce sera médecin dans Mibali, elle n'arrive pas à jouir. C'est-à-dire, il faut pour exemple rencontre à Liboso un incident peut faire attendre redécouvrir mon tour bon je sais pas n'ayez pas un peu au niveau n'abuse pas si et trop bien en on y en fait oui bien j'y sens rapide pendant moi si ce n'est pas vrai c'est d'un coup c'est un atout pour les hommes. Vous savez, les nerfs tout bas que ceux qui m'ont. Facilite la tâche. Ça facilite la tâche. Il n'y aura pas beaucoup de travail à faire. Ouais. Parce que nerfs tout bas que le travail pour l'homme, pour jouir une femme, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui, beaucoup de femmes qui n'ont jamais joui depuis à côté de l'Ibalawana, beaucoup de femmes qui n'arrivent pas dans l'orgasme, moni à côté de la tableau il y a frigidité à cause il y a une expérience à Mibalebele. Alors ceux qui déjà nanzana nga na kutena mwaso ya kota kaka mvumba moko atondi na ye donc na ko se pendant parce que bon la différence avec la femme que elle peut jouir et continuer à être toujours présente dans l'activité sexuelle par rapport à l'homme quand il jouit c'est fini. Et Piné Toboki, c'est fini. La femme peut continuer et peut avoir plusieurs jouissances dans la durée d'activité sexuelle. Moko. Donc, déjà, des cas à Bongo, ce n'est pas vraiment mauvais, ce n'est pas s'inquiéter, mais c'est une bonne chose. Mais il y a une différence entre la jouissance de la femme et les sécrétions abondantes, des fois, qui arrivent chez beaucoup de femmes. Parce qu'il y a des femmes qui confondent aussi une jouissance avec une sécrétion abondante pendant les prélides. Vous comprenez, il y a des femmes comme ça. Quand on commence à les toucher, elles mouillent abondamment. Mm-hmm. Ok? Attention, mais quand bien l'homme essaiera Kokota, on a senti que c'est comme ça, on y a un poto-poto, c'est comme si moi, ma kelele, c'est comme si des choses comme ça. Là, c'est une crainte pathologique qu'on peut aussi voir un peu plus loin. Mais d'une manière générale, maman, la femme pour à côté de la facilité, il faut beaucoup de caresses. Nous, tu vois que moi, si je me souviens, je suis un peu ce que la technique qui était ratée. Basi wazara na mwa ba introverti wana oyo amufungula mbamo te eto msoro yebi so parti sensible na ete yue fulu ko dekouvri na nuyango oto ba eskazali fam ma mère na ma belle est-ce que les femmes bicales na munoko est-ce que les femmes guitoridiennes est-ce que les femmes mixtes bablo nyo sona il faut le découvrir en panda que vous simbaye vous autres talayer vous autres découvrir côté nazali parce que les erreurs monsieur ta maman izake nous entrons dans l'activité sans penser à l'autre vous comprenez je viens pour me jouir c'est tout ça c'est erreur belle mi basara yangwana mais quand il a un objectif qu'il a découvert qui est en face de moi, et comment l'amener à l'orgasme, et comment la faire jouir. Ce travail-là, je crois qu'il est tellement important. Alors, ce que vous avez dit, la maîtrise, il y a Géouanate, vous pouvez facilement perdre les pédales. Au moins, vous avez dit, moi, si vous ratez. Alors,
même soit avec Mupaya, il faut m'aimer à New York, alors on a qui Mupaya naïwana, à mon agréon, et Zamba libos, peut-être libos, on est sous la paix en Wana. Pour qu'il y ait une image de Keno à Ratakanga, il faut ce qu'on sera présent en Salikam, n'a rien à baquer, l'activité sexuelle, coco tate le coulant moutaïa salabagé, tant aux oya yaka penza, salapenza. Si les sapenza, pe les solo tikala les solo. Les solo, il faut tikala les solo. Docteur Bambi, les raisons pour lesquelles tout ça, la guichon abissonaio, parce que nous savons que vous êtes vraiment un spécialiste, un sexologue. Alors, la grande question, c'est de savoir que faire. Ce qu'on s'est retrouvé dans Kawana et qui est commis pathologie. Solution est Zanini. Docteur Bombi, le yom tout ça, recherche belé. D'ailleurs, tout est basé sur les aliments et tout ça. Que doivent faire tous ces hommes-là au Bakome Lingaye, au Naminito, basé au Kozela, la solution est pas en ayo. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Merci. Et la solution est que vous allez beaucoup plus présenter dans Ndengemi Balé. Il y a des tentatives personnelles. Oyo tropé sabango oyé moko meka na terrain tant wazo sala makamu na ye a jouer na yango et puis ami balé ezali oyo tokopé sa ye biso tokobemela ye oyé liboso ya ko jouer moko ezali important ko ye ba yango que tant wazo ko se retrouver na tableau ya éjaculation précoce et singé na yo soko ye bi déjà que vous avez un problème wana et dans le langue il faut se tenir tant au sali comme na yo ya liboso ezali par rapport ya entrer na yo en activité sexuelle et na ezalaka et ça travail moi dans cinq ezat double et autres cinq double service hein c'est-à-dire ya liboso na cinq vous à la présent moi un peu distrait à la fois. Voilà, c'est comprendre pour bazo landayo. En même temps à présent, même temps à la distrait. Voilà. Nanga fait comprendre en boue. Koza la présent na koza distrait mbala moko. Présent c'est-à-dire zala wana pona ko sepe sa ye, zala pona ko simba ye, zala pona ko matana ye. Mais zala distrait dans le sens que kokota makasité yo moko na sensation na yo. Yo tala beaucoup plus plaisir na ye. Bosana ya yo. Zala présent pona ye, mais zala absent pona yo. Vous allez distrait pour Nayo, mais vous allez présent pour Nayo. C'est-à-dire, yo luko jouir, yo luko seize, yo ko kota mingite, so koti mingo rejakile mbao. Yo, non, ça luko, vous avez bossana. Ça luko, mamboe sexe, ou sa ka pour Nayo. Zomona. Yo se maîtriser, salaye, simbaye, bani naitan, tu m'as touché ma poise intime. Ma mbese belle orbite dans ma solo, y a Michel, tout le monde m'a souana. Mais côté Nayo, quand on simbe ma poise Nayo, yo bo mande ye, yo si sa ye, lembi sa ye, la quoi, n'est-ce pas, n'y a salaka, avalia, mpoukou Nayo, ako beta beta ye, a kimini bo, sa kesa rena, lembi si, non. Yo lembi sa ye, mais tout en étant absent. Les au moins bien malti accueilli. À ce moment-là, on gagne au moins 80% il y a plaisir na yé. Tant que yo au quota, attends ce que j'ai précocement, bon chiter n'zela moko. Parce que la femme étape la plus importante, femme, c'est les caresses, les préludes, préliminaires. On ezali pour na moi si ce sont les moments les plus importants. Activité sexuelle, grande partie na yango ezali basé na ba prélude wana. Moni, travaillez beaucoup plus dans ma prélude wana, travaillez beaucoup plus dans ma maman wana. Tant que tu es comme en étape, il y a souka pour nous chiter. Et vous avez un problème ingité, parce que déjà, vous avez quitté dans le moment où vous avez quitté dans le moment où vous avez quitté dans le précoce, mais à consentir en route, parce que déjà, au même qui est ma case. Mais si vous avez la rocotte, vous avez mis ça qui na yo. Donc yoko anya kota te zelise na no doite lususu boucher clitoris na ye o fibili bele o memyango o fibili mbebo o zosa nyoso wana o keyo ningisi susu e mo o doite musapina yo o selo kwa yo ne zosa na ndenge zot ne sa na kat me o selo musapina yo e zo memeka bongo tango yo ya o kota atoko o melate pour chiter nzela moko. Ça c'est le premier secret o toko pe sa place wana yami balé zali problème ya position. Tant que vous avez une précocité dans l'éjaculation, tenez compte de la position de l'andromaque. C'est-à-dire, vous avez une maman Mathilde Kolo. Et ça, pour choper, c'est un moins favorable pour retarder tant soit peu quelques minutes de l'éjaculation. C'est-à-dire, vous avez une Mathilde Kolo. Surtout, premier coup, vous avez préféré. Donc, vous avez quoi? Vous avez privilégié ni mais yo travailler na objectif na yo za na ok na traîner moi mouke parce que soit na chité na za liko na ye na obimambang
nala likolo comme ça il y a za likolo nanga et nenga za likolo nanga wana na ko geler moke mouvement zo sala nga zo geler ngo na niveau nanga et des troisième des choses awaboye tango you senti ki obandi ko o senti sensation éjaculation arrête les respirations yeb se pe arrêter ko bouger donc arrête un peu de bouger. Je peux arrêter de respirer, mouké, on sentit que l'ingrédient de ma méromone est zongi. Là, on peut bon, continuer sur cela. Maintenant, il faut collaborer avec votre partenaire. Hein, quoi, il sait que non, la naka rythme n'angaï, si tu arrêtes, tu arrêtes. Et c'est comme ça aussi que tu peux te soigner aussi directement. Parce que nous avons des solutions, nous avons des solutions sur le terrain. Parce que vous cherchez aussi la solution. Tant que vous avez des solutions, vous avez une expérience par rapport à l'éjaculation. Donc, vous collaborez parce que nous avons toujours que dans l'activité sexuelle, la continuité, la collaboration est permanente. C'est-à-dire, vous avez des solutions de manière permanente. C'est-à-dire que vous avez ça là. Ok, yozo sala, moko vandi na onye, etikeli muninga musala, ya bimi, ok, yozo aux absentes, aux absents, te, ozo travail na ye bongo, ozo kena ye, ozo collaborer, ozo communiquer, yazo loba, yozo loba. Chérie, je t'aime, bisou, tu fais bien, tu sais, non j'ai mal, bouge un peu là, oui, ah ok, ce côté là, ok, mon blou wa ne wana, ozo communiquer. À ce moment là, ozo, non, ne bouge plus, ne bouge plus. A télémi. Et moi, je vais continuer. Alors, ce que mon nique, ezali, koya, komata, le soussou, quand vous arrêtez, pincez votre muscle de périnée. Et allez, Moussissa, ils ont le testicule, ils ont le gâtine à niveau anus. Au moins, Moussissa, ils ont visible. Ils ont la kati, mais ils ont visible. Comme on a un gros simba. Alors, vous pincez avec vos deux doigts. Donc, vous avez une position où là, dans ces boyers, tu peux le faire facilement. Vous pincez en gros. Et tant que vous pensez en gros, ça peut retarder aussi l'éjaculation pour que vous soyez bon pour les cater. Vous pensez en gros, ça dit au cati respiration. Non, vous arrêtez de respirer, ça dit vous ne bougez pas. Vous autres, vous respirez, mais vous ne bougez pas, mais vous finissez avec le muscle. Parce que c'est de là que monte l'éjaculation. Elle est beaucoup. Et ça retarde un peu. Ça retarde, vous finissez mouké, après temps vous lâchez et puis vous continuez. Attends, vous pensez bongo, vous remarquez que Nin et Salami et s'arrêtez bongo. Et là, c'est déjà un acquis, c'est un exercice. Tu vois que c'est une activité mobimba. Ozo sala, moussala, ozo sala présent. Et puis, à souka, et à kasso, vous avez une éjaculation précoce. Non seulement il faut adopter la position à l'écolo, mais premier coup, la question, maman, je disais à tout le monde qui a baqué, moutali bosso. A éjaculé mbangu ya mibale na sima. Alors pour l'engirer le bosso wana, au gros ça paye l'okomoko, non seulement y a Andromaque, mais tu peux aussi utiliser les préservatifs. Les préservatifs, ils ont une couche entre sexe na yo na sexe ya madame. Alors c'est là que moi plastique wana, ils ont ko diminuer pression et sensibilité au gros directement dans notre maman. Bien que et perd de peu moins goût, il y a parce que nous autres ça va être différent. Moi le quoi on a besoin mais pour nous aider un éjaculateur précoce et comme ça là qui est diminuer moins pression et puis tant sur la deuxième coup nabino au col longola en gros au sali en gros préservatif au moins là que ça va résoudre. Voilà, fidèles téléspectateurs, amis youtubeurs, youtubeuses, vous avez été servis. Nous avons parlé de causes d'éjaculation précoce. Le docteur nous a énuméré quelques causes. Et nous avons parlé aussi comment retarder l'éjaculation. Pour ceux-là qui ont ces problèmes, donc comment retarder, il a donné des solutions. Il suffit de bien serrer les muscles de votre périnée pendant l'action. Vous demandez, vous communiquez à votre partenaire, vous demandez à ce qu'elle arrête de bouger et vous verrez que tout va aller pour le mieux et votre partenaire sera satisfait. Il a donné beaucoup de secrets. Oui, docteur, vous avez ajouté? Oui, là, j'ai dit, c'est ce qu'il va faire lui-même sur le terrain. Alors, s'il voit que Bloro nous est invité, là, maintenant, nous avons des recettes que nous allons leur proposer. À ce moment-là, on entre maintenant dans du point de vue pathologique. Parce que quand déjà, au niveau du bosso,
abunda niyo sona moni kizo simbate c'est que comme on a pas ma maladie et à ce moment là nous entrons na phase yo avec les contacts qui vont prendre avec nous, nous serons ce qu'il faut faire pour na proposer bango des recettes faites à base des aliments autres en yango comme l'activateur routine de la bango image wana et l'activateur est allé solution autres en yango et ça met toujours na base à aliments solution ya ba maki miliki miel. Ok, et la combinaison wana, et celle qui apporte une solution très efficace. Donc, tous ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, d'asthénie sexuelle, tant que ce qu'a éjaculé, pour revenir, ça demande beaucoup d'exercices. Avec l'activateur, on peut facilement résoudre ces problèmes-là. C'est une pâte bien conçue qui a été bien faite pour améliorer juste les problèmes-là de l'activité sexuelle, manque d'appétit sexuel, éjaculation précoce, voire aussi réellement des problèmes des faiblesses, troubles érectiles, des foyades, c'est là qui entre étant en cotica dans Katia Lembi. Tous ces problèmes-là, avec l'activateur, on peut les résoudre. Mais je vais vous proposer une recette que vous allez vous-même expérimenter à la maison et ça va vraiment vous aider. Et chaque jour, on va commencer à vous donner une recette à expérimenter pour voir que ce que nous disons est véritablement vrai et ça peut vous aider. Vous prenez trois bananes, vous enlevez juste la peau, vous mettez dans une assiette, au quatrième miké, vous coupez en morceaux les bananes, vous arrosez un peu de citron chez les bananes en question, vous laissez reposer pendant 5 à 7 minutes, le temps que les bananes absorbent les citrons, et après quoi, vous mangez vos bananes. Après avoir terminé à manger vos bananes, vous pressez les oranges dans un verre. Vous pressez les oranges et vous prenez les gélats. Donc nous appelons toujours les trios gagnants. Le trio gagnant, banane, citron et orange. Quand vous faites ça, déjà aux environs de 16 heures, soyez rassurés que la soirée sera merveilleuse. Donc voilà, ma solo yangwa yangwana. Wana d'après si vous nous avez tabissi. Donc comme ta maman Gisèle. Et le reste, vous allez nous découvrir. Si vous tentez de certaines choses comme ça, ne dites pas que c'est faux ou que ça n'a pas tenu, que c'est pas vrai, non. Chacun a son organisme qui réagit d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi peut-être votre problème est lié avec des problèmes des hémorroïdes. Peut-être votre problème est lié avec des problèmes de tension, diabète, qui sont aussi des agents causés. Les facteurs qui peuvent affaiblir notre activité sexuelle. À ce moment-là, nous allons non seulement attaquer la faiblesse sexuelle, mais attaquer aussi la source. Où est-ce que bongo hémorroïdes, où est-ce que bongo diabète, tension, pour que vous allez beaucoup plus libre et à exercer vie sexuelle comme il faut. Sans cela, on va avoir un sikamoko et c'est ce qui n'est pas notre souhait. D'accord. Alors, où vous contactez, docteur, où vous contactez? Si quelqu'un, Aza, la personne est en dehors du pays, en dehors de Kinshasa, est-ce qu'il y a possibilité de l'envoyer le produit? Est-ce que comment la conservation va tenir et que pendant un mois, deux mois, ça va se conserver? Rassurer, tu peux passer un numéro de contact et puis l'adresse pour Nabato, vous en avez besoin, il y a activateur. Oui, pour ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent nous trouver sur 4e rue, numéro 14, Kimbangu Mariano. 4e rue, numéro 14, Kimbangu Mariano, non loin du marché Mariano, dans la commune de Kalamu. C'est là où nous sommes casés. Alors, pour ceux qui sont loin, les numéros de contact d'abord, c'est le 081 45 74 935. 081 45 74 935. Alors, il y a une solution que nous proposons pour les amis qui sont éloignés. Il y a le bosso. Si vous avez quelqu'un de sûr, membre de la famille ou un ami proche qui vient vers vous et que vous voulez que nous puissions envoyer nos recettes, alors il peut vous amener directement. Nous ne voulons pas utiliser les agences. Comme nous ne mettons pas des conservateurs, alors ils ont l'okarolia, l'agence et Gogo Beba l'agence. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour week-end. Mais si vous avez quelqu'un dessus qui peut vous amener ça, comme on fait avec d'autres personnes, ça peut vous arriver. Vous appelez avec les numéros qu'on vient de donner et puis les personnes vont vous amener les produits. Mais si vous n'avez personne et que vous n'avez personne pour faire ça, là nous entrons dans une autre étape. Alors nous vous vendons maintenant les formules. Alors nous vous expliquons, voilà telle formule, telle recette, comment on les fait. Là vous nous payez nos droits des formules et puis on vous explique, comme ça vous-même vous allez commencer à faire là chez vous et c'est une solution que nous avons trouvée aussi possible pour vous.
Merci beaucoup, docteur Désiré Bombilé, pour cet entretien. J'ose croire que ça va aider beaucoup, un bon nombre de personnes à scotcher dans la Douce TV. Le rendez-vous est pris, en tout cas, à chaque moment, vous aurez des vidéos comme ça que le docteur va faire pour nous conseiller. Aujourd'hui, nous avons traité que deux points, les causes d'éjaculation précoce et comment le retarder. Alors, dans nos prochaines émissions, nous allons parler de beaucoup de choses. Parce que là, il faudrait savoir que docteur Apesi Baka et Bélé, Koutakena, parce que Zaki, sujet Nabiso du jour, mais nous aurons vraiment du temps de parler, de retraiter ma question et Bélé. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions si c'est possible d'allonger, d'agrandir les organes génitaux et tout ça. Alors, dans cette émission, j'ai réponse dans vos questions. Il y a certains, il y a des choses, il y a des aliments qu'un homme ne doit pas manger pour éviter la faiblesse sexuelle. Alors, le docteur Bombilé est là en tant que nutritionniste. Il va nous donner des sagesses, des conseils et Bélé. Qu'est-ce que tu dois manger pour être fort? Qu'est-ce que la femme doit éviter pour que nous autres n'ayons et Bélé à la longue? Parce que le lot, je pousse à la ménopause. Pendant la ménopause, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, il y a tous ces sujets comme ça que nous allons traiter. Et nous n'allons pas nous rester, nous n'allons pas s'arrêter sur le plan sexuel. Mais il y a des problèmes sur les hémorroïdes, la sinusite, la hépatite. Alors, malade Bélé, le docteur Bombilé traite, alors on va avoir tous ces sujets. Alors, quant à moi, je remercie le caméraman qui était derrière Miracle, merci pour ton travail, merci au docteur Bombilé qui est le partenaire de la Douce TV, et merci à vous mes complices, vous qui aimez la Douce TV, abonnez-vous massivement, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir, bye bye.